Bonjour tout le monde. Cette vidéo pour faire un petit bilan de notre voyage au Cap Nord. Alors d'abord, on a fait environ 13 500 km et on a traversé 8 pays. La France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. On est parti 78 jours du 18 avril au 3 juillet. En Norvège, on y était début mai et on l'a quitté mi-juin. On pense que c'est la meilleure période parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Même si quelques sites touristiques étaient fermés, je pense à l'église en bois debout à Edal, où elle était encore fermée au public tout début mai. Je pense aussi à la route des trolls qui était fermée quand on est passé. Des routes de montagne qui permettaient d'accéder à des fjords qui étaient fermées ou alors à des glaciers. C'est la bonne période parce que nous, l'essentiel, c'est de profiter des sites sans avoir trop de monde. Et là, c'était vraiment le top. Alors, on s'était donné comme dépense, avant de partir, 80 euros par jour. Quand on dit 80 euros par jour, c'est pour nous deux. Et c'est tout compris, gasoil, alimentation, tourisme, camping, aire de camping-car, les services et tout. Et en fait, on est arrivé à 82 euros par jour. Les gros postes budgétaires, le gasoil, on en a eu pour 2300 euros, ce qui nous fait à peu près, avec une consommation de 7,5 litres au 100 de notre fourgon, le gasoil à en moyenne 2,27 euros. Deuxième poste budgétaire, l'alimentation, on en a eu pour 1500 euros. On a essayé de manger le plus local possible et aller dans des supermarchés. On a dépensé environ 100 euros de plus par mois, en moyenne, de ce qu'on dépense en France. Ensuite, au niveau des routes à péage, donc ça essentiellement en Norvège, les routes à péage et les ferries, on en a eu pour 710 euros. Alors nous, pour les routes à péage, on a fait le choix de s'inscrire sur Autopass, un site en Norvège. Donc en fait, Autopass nous ouvre un accès à EPAS 24, spécifique pour les étrangers, où on doit scanner la carte grise du véhicule et enregistrer notre carte bleue. Et tous les mois, on reçoit la facture. Pour les ferries, c'est un autre site, on a choisi de faire un autre site, ça s'appelle FerryPay. Donc là, c'est beaucoup plus libre, c'est-à-dire on s'enregistre également en ligne, sur Internet. On enregistre notre carte bleue et on reçoit la facture pratiquement instantanément, à chaque trajet. Donc pour ce qui est des ferries, la plupart du temps, il n'y a pas besoin de réserver, c'est extrêmement facile, tout se fait de manière électronique. Oh là là, à partir de là, mes explications deviennent compliquées. Il vaut mieux simplifier tout cela. En Norvège, on prend un ferry ou un bac, comme on prend le bus chez nous en France. On arrive, il est à quai, on monte dessus. Tout est automatique. Des caméras enregistrent la plaque d'immatriculation. Vous êtes débité à chaque passage si vous êtes client. Et si vous n'êtes pas client, on nous a dit que les factures à payer sont envoyées au domicile, parfois avec majoration. Mais ça, c'est à confirmer. En revanche, lors de grandes traversées, je pense à la traversée entre Bodø et Moskenes pour aller aux îles Lofoten, là, nous avons réservé notre place en ligne sur le site de la compagnie de ferry. Nous avons fait la même chose entre la Norvège Larvik et le Danemark à Hirtshals. Au Danemark, les ferries se payent au passage à l'agent portuaire en service à la barrière de péage située à l'embarquement. Ensuite, je reprends mes postes budgétaires. Au niveau du tourisme, on en a eu pour 400 euros. Et au niveau des aires de camping-car, des campings, des services, parfois les services sont payants, on en a eu pour 600 euros. En tout cas, on s'est servi pendant tout le long du voyage de l'application Park4Night en version gratuite. Elle a été extrêmement suffisante pour tout ce qu'on a fait et on a toujours trouvé des endroits à notre goût. Donc en résumé, notre voyage a été magnifique. C'est, je le redis, le paradis pour les fourgons. L'accès à la nature pour tout le monde et sans la foule. La Norvège, on n'a pas tout fait. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Même si le Cap Nord ne sera pas une fin en soi, mais repartir dans ce pays, on le fera sans hésiter. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce partage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça reste gratuit. De mettre un petit pouce en l'air. Et puis, si vous êtes encore plus motivé, d'inscrire un petit commentaire. La prochaine vidéo, elle sera sur notre voilier, Argo. Je vous dis à bientôt!